Boys Band, le plus célèbre des années 90. Préparez-vous à vivre un grand moment de nostalgie. Ce soir, la nuit appartient au World Japan. Pour les plus jeunes qui ne vous connaissent pas, votre groupe a vendu plusieurs millions d'albums dans les années 90. Est-ce que vous êtes devenu riche à l'époque? On a vu pas mal de fric passer. That's freaking me out. Ça me trouve, cette voix-là. Si je fais un film en France, c'est pas lui qui va faire la voix. Il te garde pas pour la voix française si jamais il tourne un film en France. Alors, vous êtes devenu riche à l'époque, il vous en reste un petit peu de cet argent? On a pas mal gagné notre vie. Success, Cal, avec le grand argent, grand fête, chaque nuit, really, really. Naturellement. D'accord. C'est mon vie, c'est une fête. Tu fais tout dans la fête? Ma vie, c'est une fête, c'est la même de toi. Pareil, moi, ma vie, c'est une fête. C'est la même de toi. C'est quoi la plus grosse fête que tu as organisée? Bouf, dans ma chambre. D'accord. Il y avait beaucoup de monde? Oh, pouf. Dix mille dans ta chambre. Oui. C'est une grande chambre. Ah oui, c'est une grande chambre. C'est un grand appart. C'est le World Appart, d'ailleurs. Et le lit, c'est incroyable. Vraiment. Vous avez un lien particulier avec la France. Ce n'est comment? Pourquoi la France et pas un autre pays? En fait, on a eu du succès dans différents pays avant la France. C'était vraiment très fort en France. Et puis la France nous a adoptés, nous a aimés comme aucun autre pays. Est-ce que les Françaises font bien l'amour? Parce que vous avez dû sérieusement pécho à l'époque. Expliquez-moi comment la femme française fait l'amour. Par résistance, relax, adventurous. C'est parfait. Qu'est-ce qu'elles font de mieux que les Anglaises? Mettre le manger avec le même tombe de tac-tac. D'accord. <Oui. rire> Et vous trouvez qu'elles font bien l'amour, les Françaises? attends, le problème, les deux sont mariés. Mariés à vous, Pour les nostalgiques, comment est-ce que vous pourriez me faire juste le refrain de Everlasting Love? Go astray, leaving hurt when they go. You went away, just when I needed you so. Finding your way, you come back, haunting me, yeah. I'm gonna stay, loving you and the sea. Under talk, what? Open up your eyes, then you realize here is not an everlasting love. Need you by my side, there's nothing to hide. Never let you know, everlasting love. Do play. À l'époque, vous aviez beaucoup de succès, mais très rapidement, il y a eu de gros concurrents locaux comme les To Be Free. Est-ce que vous les avez détestés parce qu'ils faisaient un peu la même chose que vous, mais ils parlaient réellement français, ils étaient vraiment d'ici? Les journaux ont inventé cette rivalité pour rendre les choses intéressantes, mais pas du tout. On est tous dans la musique, on est des musiciens, on essaie de s'amuser, gagner de l'argent et divertir les gens. Chacun d'entre nous comprend les uns les autres, on se respecte mutuellement. Donc voilà, il n'y a pas de mauvais sentiments. En fait, on est des copains avec la plupart des autres. Il y a eu un boycott des radios et vous êtes passé de concert devant 15 000 personnes à rien du tout. Pourquoi ça s'est arrêté tout brusquement?
Je ne sais pas. En fait, le marché a été inondé tellement de groupes. Et en fait, ça fait baisser le niveau en général. C'est devenu bon marché, si vous voulez. Quand quelque chose a du succès, et quand quelque chose est aussi important que nous, il y a toujours un contre-coup. Les gens aiment les losers, mais quand vous avez du succès, ils vous aiment. Quand vous êtes de nouveau devenu loser. On va parler très rapidement de la tournée. Dans cette tournée, on retrouve La Rousseau. Vous connaissez La Rousseau? Oui, oui. Est-ce que vous savez chanter La Rousseau? Super. Tu m'oublieras tous les jours. Non, tu m'oublieras, donc vous avez oublié. I know the words apart. Je te donne Everlasting Love, Baby Come Back. Oh, nice. Ah, pas mal. Il y a aussi Corona. Corona, vous connaissez, savez chanter Corona? Ça fait quoi le refrain déjà de Corona? You say, avec this is the rhythm of the night. Oh, yeah. Oh, yeah. The middle of the night. Ok, on va se faire un petit karaoké rapide. Il y a aussi les True Unlimited. C'est I like to move it, move it. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Let's go, leave it. Dans le concert, il y a l'Os Del Mar aussi, la Macarena. Oh putain, il est lancé. Hey, Macarena, oui. Le prochain truc dont je vais vous parler, vous n'allez pas comprendre, c'est des blagues françaises, c'est une sorte de journal à la con, mais on va quand même le faire, ça s'appelle le journal du ça vient de tomber, c'est parti. Fort, quand il était plus jeune, François Hollande jouait au foot. Son poste, ballon. Loisir, dans le jeu des 7 familles, édition Nord de la France, le père, l'oncle et le fils, c'est la même carte. Gouvernement, Whitney Houston aurait pu devenir ministre de l'Environnement, parce qu'elle est bien la preuve qu'une douche est beaucoup mieux qu'un bain. Spéléologie, en rentrant dans Susan Boyle, les chercheurs auraient découvert des hiéroglyphes. Ah, attention. Hein? Ma femme. Oh. Ah, c'est ta femme, Susan Boyle? Yeah, oui. Sorry. Yeah. Enfin, pour finir, Jules Plage, le premier frisbee aurait été moulé sur une oreille de Danny Boone. Merci de nous avoir rendu visite. Je rappelle que vous serez en concert le 15 juin à Lyon et le 16 juin à Anglade et le 17 juin à Clermont-Ferrand. C'était un véritable plaisir pour moi de recevoir le voir en part. Pourquoi on va applaudir très fort, s'il vous plaît. Bravo. Merci. Bravo. Merci. 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 Merci.